Donc salut à tous, c'est 1999, on est reparti pour une vidéo, cette fois-ci encore une fois de... Mince, j'allais dire plutôt qu'elle était de Nakachi, mais de DBZ Dokkan Battle sur le Nakachi Budokai, ou le 23G. J'avais dit que je ferais une vidéo là-dessus, donc du coup j'en fais une aujourd'hui. Pour dire un peu avec quel team je pars et tout ça. Bon, pour ceux qui connaissent le Tenkaichi Budokai, ils n'ont pas grand intérêt, mais bon, ça sera surtout intéressant pour les nouveaux joueurs. Parce que j'avais quand même farmé le Raditz, j'avais mis 100% en carnage. J'ai mis ZTUR le Proli. Dokkan mon sel, je laisse P10. Parce que faut savoir que le sel cuit. Faut savoir que le sel cuit part en carnage en 11 de ki. Je sais plus si j'ai un autre carnage, mais je crois pas. Ça me dit rien. J'ai jamais drompé le Trunks Xenoverse qui est carnage. Je crois pas que j'ai d'autres carnage. Bon, ça, on s'en fout, ça, on s'en fout. Bien sûr, on part direct en 2,5, puis on montera jusqu'à 30. Ce sont pas une nouvelle difficulté, mais je pense pas. On va essayer de voir si c'est un brouillard encore meilleur. Normalement, je pars en... Je pars plus ou moins en... En team ressuscité. On va chercher le mot. Donc, je cherche un brouillard généralement en LR. C'est l'idéal. Après, si on va... Tant pis. Là, y a, j'aimerais en chercher un plus de TV, plus d'attaque. Bon, là, ça va suffire, je pense. Il y a combien de pourcents là? Bon, 69% en doublant, ouais, donc. En bas à droite, de toute façon, quand vous avez débloqué en bas à droite, vous avez déjà débloqué une bonne partie de la puissance du perso. Après, une fois que vous avez fait un haut à gauche, il y a 79%. Il n'est pas loin des 100% en réalité, même s'il peut être encore loupé. C'est les deux plus grosses branches de l'arbre, donc forcément. Par contre, on va changer de team. Bon, celle-là, je vais la garder parce qu'il y a l'Ivette en ce moment. Là, on va changer, on va prendre quel team, changer quel team du coup. Celle-là, je trouve que je l'ai en double, quasiment. En catégorie ressuscité, c'est comme ça que je pars depuis quelques Budokai maintenant. Donc avec le leader ressuscité, et après on va prendre les carnages, sauf le Broly. Ah ouais, du coup, maintenant j'ai le Broly. Ah ouais, je sais pas si ce serait plus intéressant parce que de toute façon, ouais, je vais peut-être partir en puits du coup. Et ouais, parce qu'il est ressuscité, le Broly aussi, mais les autres le sont pas. Même si je crois qu'il augmente un peu en secondaire, ouais, c'est ça, le type int, c'est que du 50%. Donc. Je vais peut-être essayer notre team. Bon, là, on devient plus 5 fois, ça changera pas grand chose de toute façon. Tire en puits du coup. Moi 70% c'est la blague. Oui 100%. Qui je pourrais partir? Enfin, j'avais pas réfléchi à ça avant de commencer la vidéo. J'aurais peut-être dû réfléchir un petit peu. De toute façon, le carnage, je l'ai connu. Bon, allez, on va tenter avec le Goku SJ. Oula, du coup. Goku SJ4. On prend le Broly. Forcément. On prend le sel.
Pas du tout. Ça, par contre, c'est un problème. Ça me gêne, ça. Ça me gêne. Parce qu'après, du coup, je sais pas s'il faut servir à avoir un fou. Tant pis. Tant pis, on s'en fout. Les autres, ils sont pas importants. On aura peut-être des supports à la limite. Je serais simple, vraiment, tous les amis. Ça me plaît, ça. Bon support, il m'en faudra un deuxième, ce sera encore plus cool. Pour repérer encore plus les carrelages. Oui, mais prends lui qui a un super tank. S'il est support, je crois pas. Non, pas du tout. Oui, je pense pas. Non. Non. Non, j'ai bien regardé. Ah, lui, peut-être. Défense moins 30% pour tous les ennemis. Ouais. Limite avec lui. Alors à 10 du coup. Non. Tant pis. Oh ouais, direct. Je vais être le troisième attaqué. Malheureusement. Bon, bon, ça c'est bien, c'est moi qui l'attaque. Ça va aller vite de toute façon. Ah, par contre, pour les objets, j'aurais dû. Effectivement, j'ai oublié un truc pour les objets. Parce que normalement, je prends le. Je vais le dire après. Je prends les trucs, enfin je veux dire maintenant je prends les trucs qui changent les couleurs de tir en fait. Les plumes et les houlons. Et du coup là, j'ai pas réfléchi. Je suis parti comme ça, normal. Et ça risque de me porter préjudice. Enfin, je pense pas, en 2,5 fois je pense pas, mais. Voilà quoi, je changerai les objets après. C'est ça que c'est ce qui est bien le Raditz par rapport à ça, c'est qu'il y a un nouveau qui. Le Raditz Carnage, il est. En fait, sa première apparition, en tout cas. Il a 9 de qui d'entrée de jeu. Sans compter les liens ou quoi. Ou peut-être, ouais, on commence. Je vois 6 là. Ouais, là, du coup, il part à 8. Donc, ouais, il est déjà très haut. Donc, il part très vite en. Hein. On va regarder compte. Il faut. J'aurais pas assez de 60. Ah, quoi que là. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, je vais le partir en fond. Si c'est 3, 9, ça sera pas assez. Bah, tant pis. Ça sera pas assez. Attention, 3 dits. Ah non, il part pas en SP. Merde. Vu que j'ai bougé Goku CJ4. Ah, bravo. Tu fais pas mal de bêtises dès le début, c'est assez relou. C'était pas prévu au point. Tant pis.
On fera mieux pour la prochaine fois. Enfin, pour dès le prochain tour, de toute façon. Donc là, on va essayer de partir à Kravitz. Donc, non, je ne vais pas avoir assez. Je ne vais pas avoir assez. Là, j'aurai assez. Là. Partir. Et là, il tue tout le monde. D'où l'intérêt des carnages. Pour ceux qui ne connaissent pas le Tenkaji Budokai, encore, les rares. Ça vous apprend 2-3 trucs en fait. Après, concernant les anciens, il y en a beaucoup qui font plus le Tenkaji Budokai de toute façon. Parce que ce mode de jeu est un peu chiant, rébarbatif. Mais en soi, pour les récompenses, en fait, il est utile. C'est pour ça que moi je le fais. Et quand je travaille pas, c'est. En ce moment, je travaille pas, du coup. C'est. Oh putain, c'est oui, j'aurais dû faire partir. Putain, je fais vraiment n'importe quoi. Putain, le mettre en dernier en plus. Connerie sur connerie. Bon, du coup, vu que je travaille pas en ce moment, je peux me permettre de le faire. Je vais le faire un minimum, même si je cherche à compter toujours. Je sens rien d'intérêt vers à gauche, à droite. Mais voilà. Alors, en ce moment, je n'ai pas grand chose. J'étais parti sur une mission. C'était trier les colis, mais les trucs, les colis bien lourds. Les lever en l'air pour pouvoir les ranger. Et c'était, voilà, j'ai des problèmes de dos moi, donc j'ai fait 5 heures de taf, c'était vendredi dernier. J'avais l'impression d'en avoir fait 10 ou 15, je me suis très vite dit. Faut pas que je continue cette mission sinon je me défonce le dos. Parce que j'ai des gros problèmes de dos en fait. J'ai un spondylolisthésis. Pour ceux qui savent pas ce que c'est en fait, c'est. J'ai une vertèbre qui se barre de la colonne vertébrale. Et de. Déjà à l'âge de 27 ans, on m'avait décelé dans une portion, une petite portion du dos, à savoir le bas de mon dos, c'est-à-dire les. Mes lombaires, le bas de mes lombaires, que j'avais deux séquelles dernières. J'avais 27 ans, je vais en avoir 35, forcément. Voilà. Je pense aussi à ma santé, à repenser à l'argent et au travail. Bon, voilà, en 2,5 fois, ça passe très, très bien, très vite. Ah, et puis on gagne des DS aussi avec le temps que tu veux nous payer. C'est ça qui est bien. Donc là, on va prendre les bons objets. On va ça de suite. On va prendre un gros lien. Random, de toute façon, on s'en fout, on a 2,5 points. Donc les objets. Les objets typiques du. Forcément. Pour changer les boules de ki bleu en rouge. Les boules de ki vertes en bleu. Les boules de ki violettes en vert. Et les boules de ki orange en violette. Bon, je pourrais prendre ça ou ça, parce que ça peut me sauver des fois. Ça peut être utile. Alors, en 2,5 fois, je peux me permettre ça. Et avec le nombre de persos carnage que j'ai de toute manière, je pense que j'ai aucun risque. Même en x30. La dernière fois, je crois que j'étais monté à 40 millions de points. Ou pas loin. Le dernier Tenkaji Budokai. Et sans utiliser de DS. Ou alors une ou deux. Et très vite. Je suis pas sûr. Parce que je crois que la dernière fois, c'était encore sur 5 jours, le Tenkaji Budokai. Donc autant dire que c'est l'enfer.
Là, c'est passé à 3 jours, j'ai vu ça, j'ai trouvé ça tant mieux, comme la jatte. Parce que franchement, 5 jours, c'est inhumain. C'est pas possible. Pas faire ça, c'est pas possible de faire ça. Non, moi, je peux pas. À un moment donné, j'ai le cerveau, il explose. Je sais pas comment il y en a qui font pour monter, je sais pas comment ils prennent. Après, il y en a qui trichent aussi, il faut savoir. Il y en a beaucoup qui trichent. Ça, c'est dégueulasse aussi, mais voilà, ils prennent des risques, c'est leur problème, je m'en fous. Mais bon, ça enlève les récompenses à ceux qui trichent pas. Donc, quelque part, je trouve ça quand même dégueulasse. Parce que du coup, même s'ils sont ban. Ceux qui n'avaient pas triché et qui n'avaient pas eu le classement, mais jamais ils vont récupérer les récompenses qu'ils auraient dû avoir et qu'ils n'ont pas eu. Pourtant, ils ont passé des heures et des jours entiers à farmer. Pour rien. Au final. Enfin, pour rien. Non. Moi, par exemple, j'avais eu 37 ou 38 millions de points, ou un peu plus, je ne sais plus. Et j'avais quand même eu le Tenchinan qui devient Tenchinan Chaos LR. J'ai pas encore passé LR parce que j'ai plus assez de médailles du tournoi. Je sais plus comment ça s'appelle spécifiquement ces médailles. Ça va être marqué. Quand je fais éveil, on va prendre l'exemple du Tenchinan justement. Ça va être très bien. Deuxième LR, là, c'est lui. Là, il est en TUR, c'est Chien et Chaos, il fait des dégâts colossaux. Il faut ces médailles-là, les médailles tournoi, j'appelle ça, c'est signe du maître. Et ça t'engraine pas des 120 000, même dans le tournoi. Donc, des fois, il te faut plusieurs tournois. Donc, voilà. J'ai déjà gagné des tickets. Pour les portails d'invocation relatifs au Tenkachi Budokai. Bon, le Battlefield, j'arrive pas. J'étais arrivé pas loin de battre le Goku une fois, mais c'est trop chaud. J'ai pas les teams pour en fait. Surtout les teams Ant et Tech, enfin. J'ai des bonnes teams, mais j'ai pas assez de perso dessus. En int et en tech. Parce que de toute façon, en puits, je crois qu'il demandait que. Tu n'avais que 14 persos. En puits, 14 gros persos. Alors qu'en int, il en faut. Il en faut 14 aussi. Si, il en faut 14 aussi. Ouais, mais du coup, 14 gros persos, j'ai pas 14 gros persos en fait. Alors qu'en puits. Voilà. Enfin bref, on parle pas du Battlefield. Qui pour moi et pour l'instant. Oui, donc, on est reparti. Désolé pour le. Je pensais. L'interruption. La pause, on va dire. Ça partira avec lui. Les objets, c'est parti, c'est bon. Ça,
blanc. Là, il y a des bleus. Ça devrait suffire. J'y viens normalement. On va partir de lui. Ce qui est bizarre, c'est qu'ils n'ont pas de lien entre les deux groupes. Ouvrir un petit peu la table parce que je sais pas si ça me plaît. On va être sûr qu'il parte en SP. Il part en SP. Au cas où que ça suffise pas lui, mais ça va être vrai. Ah ouais, 38 000. Donc lève première finale en 2,5 fois. Ça m'énerve la poussière là, sur l'écran, comme ça en plein jour. C'est assez humide. Bon, ça faisait un moment que je voulais faire cette vidéo sur Team Catching Tokai. Du coup. Le faire. Donc après, toujours pareil. Je fais selon j'ai envie. Que ça plaise ou pas, de toute façon. Que ça fasse des vues ou pas, je m'en fous. Avant tout, je fais des trucs pour moi. Parce que j'ai envie et j'aime. Et ne serait-ce que pour les nouveaux joueurs, même s'ils peuvent regarder les anciennes vidéos de Crane sur Tenkachi Budokai et qui c'est expliqué bien. Ah mais tiens d'ailleurs, ça c'est un truc que je voulais peut-être faire plutôt que de prendre ça. Paikouan. Paikouan et qui d'autre? Et Topo. Parce que là j'avoue que j'ai fait encore une bêtise. Enfin, j'ai des bêtises même si en 2,5 fois, 3 fois, on s'en fout. On va y avoir un Raditz. Du coup j'aurais dû mettre en premier, mais c'est pas grave. Un petit 20 000, tu fais pas plaisir. Donc ça c'est le carnage free-to-play. 100% du coup. Une fois que c'est fait après. Ça qui est bien, il n'y a plus besoin de le faire. Bye bye tout le monde. Je change d'équipe là maintenant. Pour vous montrer un peu qui c'est que je vais mettre en place. DS, ça c'est. C'est ça que j'aime avec le Tenkachi Budokai ici. C'est les DS et les mid-dive quand même. Enfin, les mid-dive surtout.
signe du maître, comme je vous ai dit tout à l'heure. Plus après, c'est pas que ce soit moins certains perso. Les tickets des portails. Des portails relatifs au cancer. Bien bon, je l'ai pas. Tenkaichi Budokai. Qui c'est? Où est-ce qu'il est? C'est Jaco, je pense. Voilà. Donc Jaco, pour ceux qui ne savent pas, c'est peut étourdir tous les ennemis. Traduction, pour ce Jaco-là, le Jaco Tech. Il stun tous les ennemis au premier tour. Systématiquement. À 100%. Il stun au premier tour. Tous les ennemis. Donc on peut dire qu'il n'est pas. Qu'il n'est pas inutile et qu'il est plutôt indispensable pour la team. Et ensuite en deuxième, un stun. Un stunner. C'est lui. Le Chaos Hands. Qui stun aussi tous les ennemis au premier tour. Mais des fois il stun pas, mais en théorie, il stun tout le temps l'ennemi au premier tour. Donc on peut dire que en fait c'est plutôt celle-là la team parfaite. Pour une team que j'ai eu, enfin. Avec ma. Mes persos actuels, parce que si j'avais brouillé l'air, je mettrais brouillé l'air à la place du groupe aussi giga, soyons clairs. Et si j'avais le console, le Trunks Xenoverse, 100% surtout, je le mettrais à la place du Raditz. Ou à la limite du Chaos. Parce, oui, du Chaos, parce que comme ça, ça me ferait un carnage en plus. J'aime bien ce OST aussi. C'est toi qu'on m'a affronté. C'est pas ce que j'avais prévu au début. Alors, on devrait faire une petite. Attends, est-ce qu'il met plus de kiwi? Pas du tout. C'est beaucoup quand il en met plus. Attaque ultime? Putain, pile poil. Ah non. Un kit plus, mais pas de problème. Putain, mais je vous voudrais tellement. Un brolier vert. Tellement classe. L'attaque sub qui est totalement inutile, forcément. De toute façon, il va carnage tout le monde. Ça fait perdre du temps en plus. Le temps de sa spé en plus. Putain, merde, mon écran là, je sais pas ce que j'ai mis. C'est un manche chiffon, mais il y a plein de saloperies. Je sais pas pourquoi. Pourtant, je l'avais nettoyé il y a pas longtemps. Bizarre. Et des rayures de saleté bizarres reviennent. J'espère que c'est juste des rayures de saleté et pas des vraies rayures, parce que sinon c'est la merde. Ça me ferait bien chier que ce soit des vraies rayures. Enfin, je pense pas, parce que c'est un chiffon, c'est aussi. Hop. Non, mais il faudra que je le nettoie, j'en sais rien. Je passe mon temps à nettoyer ce chiffon un petit peu ça.
J'ouvre les stuns. Et là, tranquillement. Là, par contre, je vais passer des violets au vert et des verts au bleu. Je m'en fous parce que j'en ai acheté beaucoup dans le truc de Baba. Je peux me permettre d'utiliser des houlongs et des plumes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, attends. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Bon, ça passe 10 fois. On part comme ça. Ça a l'air très bien. Qui fait. Ah ouais, c'est tout. Ah ouais, c'est pas si énorme que ça. Ah là, ça va. Ils sont tous stun, je crois. J'ai eu peur pour rien. Allez, on tire à vite. Ah non, mais Broly, ça va, il fait plus de dégâts que lui, en fait. Le Broly, c'est le TR. Ça va, ça va. J'ai cru qu'il faisait moins de dégâts que le Raditz 100%, mais non. Sous les montants, il en fait plus. Heureusement, parce que franchement, il faut le faire, le Z-Tueur du Broly aussi. Casse-roule. C'est pas le pire des Z-Tueurs. Celui du Broly 2, du film de Neves, c'est un plus chiant. Je crois que les deux plus chiants en réalité, c'est beaucoup CJ3, c'est vert. Et ceux du camion à familial. Mais le Broly, c'est vert, de moment, c'est bien chiant. Ah, j'ai pas encore fait la finale. Je crois que j'avais fait. Je suis à côté, je suis à l'ouest. Voilà, j'ai fait une finale sans me rendre compte.
Putain, il n'y a même pas un mois, c'est enculé. Cet enfoiré de Thalès. Toujours pas, d'accord. Je sais pas ce que tu fais, Thalès. Faut arrêter ça. Tiens, franchement, croyez-moi, c'est indispensable les carnages. Parce qu'il fut un temps, je faisais des Tenkaichi Budokai en carnage. Juste en spé de perso. Qui font des spés, qui font des dégâts individuels. Mais pour le farm, c'est encore pire, ça prend encore plus de temps. J'en ai les seuls souvenirs, ça. Franchement. Seuls souvenirs vidéo du livre. Pas passionnant. Là, pour le coup, hyper honorable. Vraiment chiant. Enfin, dès que j'ai pu, c'est pour ça que dès que j'ai pu le farmer, je suis allé à fond. Il a été dispo. Il a attendu. Parce que il est sorti sur la jambe. Plusieurs moments qui sortent sur la go. Il attendait pendant longtemps. Et puis dès que j'ai vu que son event est sorti, je me suis rué dessus. Je sais plus si lui j'avais vu avant ou pas. Je crois que j'avais avant, mais en fait. Longtemps j'avais pas spé 10, j'avais pas d'aucun, j'avais pas plus de dégâts que ça. Maintenant que j'ai d'aucun spé 10, faudra que je passe à un moment donné, ça spé 1 kg 11 pour rentrer. Mais il fait des dégâts aussi. Le problème quand on va faire un spé de kg 11, il faut calculer tout ce qui change. Pas faire ça. Ah mais voilà, finale. C'est que tu débloques les violets, j'espère qu'ils sont tous bien tendus. Voilà ça. Ça se passe bien.
Oui, des DS, allez-y. On va y chercher. Je puisse lancer 44 DS et c'est pas fini. Donc 3-5. Ouais, ça va bien que jusqu'au 3-30, comme avant, ça n'a pas changé ça. Après, déjà en 3-30, déjà c'est chaud. Enfin, faut faire attention. Ça devrait suffire, je pense. Critique, il pleut. Non, ça va, il gère quand même le Broly, ça. Le Broly Z, là. En tant que carnage. Enfin, ça sera pas forcément un poids 30, mais. Hein? Il y a des rosés partout maintenant. Ah, ou alors on les violer en vert direct, je pense, c'est sûr. Les verts en bleu. Cinq, six, sept, huit, dix, onze, douze. Tranquille, bilou. Chercher l'autre truc. Je veux bien le rendre là.
35 ans. Voilà, je vais avoir une mission la semaine prochaine. Et ce soir-ci, ce ne sera pas la manutention lourde. Ce que j'ai demandé, parce que voilà, tant qu'on pourrait être de double. Comme je vous ai dit en début de vidéo, c'était pas possible. Je pense à ma santé. À un moment donné, je vais avoir 35 ans, 5 décembre, dans moins d'un mois. Donc, voilà. Je crois que c'est à Noël dernier que. Celui d'avant, je sais plus. Non, je crois que c'est le Noël dernier, j'ai 34 ans. Je venais d'avoir 34 ans. Une amie de ma mère qui me sort quand elle entend que j'ai 34 ans, elle fait « Ah oui, en fait, t'es un demi-vieux maintenant. » Et c'est pas si faux que ça. Ce n'est pas si faux que ça. 34-35 ans, ça commence à taper déjà. Genre pas que psychologiquement, parce qu'à 30 ans, ça tape un peu psychologiquement vite fait. Moi, je sais qu'à 30 ans, j'étais encore très très bien. Même encore aujourd'hui, ça va. Parce que je fais du sport. Parce que je mange plutôt sainement. Parce que je suis pas. Parce que je bois vraiment très occasionnellement. Je vis pas dans un environnement où la pollution est vraiment très excessive. Je prends pas trop le soleil non plus. Je ne vais pas faire des cures de soleil tout l'été, dorer la pilule. Je ne supporte pas ça, de toute façon, j'aime pas plus ça que ça. De toute façon, j'aime beaucoup qu'il prenne beaucoup de soleil. Donc. Enfin bref, tout ça pour dire que ça va encore. Mais ça commence à. Taper, je commence à me rendre compte que voilà, je vieillis comme tout le monde. Allez, mon petit Jaco, Jaco, The Patroller. Non, j'ai jamais lu le manga. C'était quoi ça? C'est une tenue de Jérôme, ça? C'est un perso? Je l'ai jamais vu. Où est-ce qu'on chope? Ou alors c'est un nouveau perso. Je sais pas. Ça ne dit rien de visuel. De tête comme ça, ça ne dit rien du tout. Les Jérôme en catcheur. Mais pas mal ça. Qu'est-ce qu'il me reste comme acte? On a juste quoi faire la demi-finale et après c'est bon. Il a 79%. 90%, quand même. Ça se voyait assez, ses stats.
Ah merde. Merde. Ah putain. En plus il apprend. Chien. Ah putain, il part pas en sprint. Oh là là, n'importe quoi. C'est Jack qui est vraiment défoncé. Bon, je pense que j'utilise tout mon acte. Je pense que j'utilise tout mon acte. Vérifie ça. Ouais, voilà. On récupère le cadeau. Ça du coup. Mais sans doute, je pense que je peux pas les récupérer. Je lui dis ciao et à la prochaine.